Puis ce sera alors demain le fameux D-Day, comme disait D-Day. Le passage du brut dans la D-84, la bonne grosse mémère, la maman nourricière, disent-ils pour le reste des unités, et qui donne le tempo de la raffinerie en produisant gaz, essence, gazole, distillat, diluant, kérosène, résidus de fausse couche, j'en passe, et des meilleurs. Alors, troisième phase, ce sont toutes les unités en aval qui en avalent. Le plat pour purifier l'essence, l'HDS pour nobifier le gazole, pour toujours nobifier. Ce verbe n'existe pas, mais j'aime bien aristocratiser mon verbiage. Et puis, la D81, dans le DBA suffira, et le FCC pour retraiter ce qui a été maltraité et refabriquer à partir des résidus de nouveau du gaz, de l'essence, du gazole, etc. Vous allez voir qu'à la fin de ce bouquin, vous allez devenir incollable sur le fonctionnement d'une raffinerie. Et enfin, le visco, afin de bitumer correctement la route de vos vacances. Bon, j'en oublie quelques autres, comme les amines, le mérox, les sauvateurs qui nettoient en profondeur les produits. Et entrer plus dans le détail du métal serait perdre en route les plus néophytes d'entre vous. Dernier automne, d'un mort. Mémé assassiné. Lâchement par derrière, faute à des ennemis trop bien organisés, tapis dans l'ombre d'un contrat caché, mettant fin à ta glorieuse destinée. Novembre 2012, la chute finale. Parvis du tribunal des empêcheurs de raffiner en rond, simple lettre enfin de ne recevoir, le mot vient de tomber. Comme le 16 octobre, mais définitif cette fois. Liquidation. Qu'elle soit ferme, une session vivante pour liquidation qui refuse de dire son nom. Non. Qu'elle soit pure et dure ou fausse session par dépeçage des organes de l'aimé, après lui avoir arraché le cœur. Petit rappel à ceux qui payent une édition longue. Une concession de cimetière est une cession à la con, il n'y a pas de mystère. Car une fine, c'est l'aimer, liquider. De battre son cœur, ce sera arrêté. J'entends Yvon qui hurle sa douleur, que ce soit dans l'usine ou dehors. Je n'entends plus autour de moi les cris et les pleurs, des femmes tendres, des hommes aussi, d'un son tellement violent que quelque chose s'est brisé dans ma tête. Voilà, cette fois c'est fini, définitivement terminé. Il y aurait tant à dire en cet instant que... J'ai si peu envie de parler. On a échoué, c'est tout. On a perdu pour rien, sur la dernière marche, alors qu'elle accédait à la félicité. Mémé a trébuché. Et dans l'escalier de la renommée, elle a dévalé pour trépasser au pied du premier palier, de le cou brisé. Qui l'a poussé? Qui l'a assassiné? Est-ce le colonel Moutard, planqué dans un salon parisien, un gros coup de pompe à essence? Ou Mademoiselle Rose, à force de jouer en bourse avec ses actions. Quelque part, le mystère reste total. En cette minute où tout s'écoule autour de nous, finalement, peu importe, la question n'est plus ou pas encore là. Le plus planté sur le pavé mouillé, assis là, fila dans le caniveau, lassé par la nouvelle, le rêve avorté, fausse couche d'un projet fertile qui condamne à l'éternelle stérilité, surtout peur, là. Le cadeau de notre déchéance publique aux nécrophages autour qui nous ont dès début mis en menu, au menu de leur létale pitance. Laissons-les danser. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le bruit du sang et des larmes. Sortez de l'usine, descendez des collines de camarades. Chômage à nos trousses et la faim qui nous pousse la panade. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, plus de travail, ça nous tue, nous on crève. Alors debout.
Merci, merci à vous. Et maintenant, on va voir le film de tout ça avec vous. Merci.